Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une vidéo concernant une question qui revient régulièrement lors de mes vidéos Alexa, c'est est-ce que je peux regarder la télé avec Alexa, notamment un Echo Show 5 que vous voyez ici, mais également avec le Fire TV Stick ou même l'Echo Show tout simplement. Alors vous pouvez le constater, on peut utiliser l'application Molotov sur la Fire TV Stick, mais on ne peut pas sur l'Echo Show 5 ou l'Echo Show tout simplement. Ce qui veut dire, sur la Fire TV Stick, on va pouvoir avoir des chaînes comme TF1, France 2, etc. Mais on ne va pas les retrouver automatiquement sur l'Echo Show 5. Il existe une solution bancale, puisque ça ne comporte évidemment pas toutes les chaînes, mais c'est l'application Stream Player que voici, elle est gratuite, et on va pouvoir avoir un certain nombre de chaînes disponibles sur l'Echo Show ou l'Echo Show 5. Cette skill va proposer quelques télévisions, alors elles sont de plus en plus nombreuses, mais il existe aussi des skills tout à fait indépendantes comme LCI, où là vous allez pouvoir regarder LCI sans passer par cette skill. Alors au niveau des chaînes proposées, voilà ce qu'on a. On va retrouver pas mal de chaînes étrangères, alors notamment des chaînes anglaises comme BBC World, des chaînes allemandes comme la Hard, et puis également des chaînes américaines, enfin il y a vraiment pas mal de pays, et puis quelques chaînes françaises quand même. Alors on a étonnamment NRJ 12, et on a France 24, TV5 Monde, Gulli, et puis Chéri 25, donc voilà les chaînes qu'on pourra voir si on veut des chaînes françaises. Alors l'offre s'étoffe un petit peu, c'est vrai que lorsque j'avais fait cette première vidéo, Chéri 25, NRJ 12 n'existait pas dans Stream Player, il y en a de plus en plus, espérons qu'il y en ait de plus en plus, même si globalement c'est pas fait pour. Alors on peut, tout à l'heure je vous parlais d'LCI, on peut demander directement à LCI d'être lancé depuis l'Echo Show 5. Public refusant de voir finalement la dimension idéologique et la dimension processuelle, c'est-à-dire que des individus... Voilà, c'est pas très pratique de regarder LCI sur cet écran, mais ça peut être un plus. On peut néanmoins associer un Fire TV Stick à un Echo Show, alors pour ça, on va dans les paramètres, on sélectionne TV, et là, on va sélectionner le Fire TV Stick en question, voilà, juste ici, on clique sur Gérer, on va associer ensuite un Fire TV à n'importe quelle enceinte. Alors ce qui va être pratique, c'est qu'on va pouvoir lancer depuis l'enceinte directement une chaîne sur le Fire TV Stick. Alexa, mets France 2. Je mets France 2 sur Molotov. Ça c'est pas mal si vous avez un Fire TV plus une enceinte, et puis surtout si vous n'avez pas de Fire TV compatible avec la télécommande Alexa. Alexa, mets M6. Je mets M6 sur Molotov. Ici, ça a été plutôt rapide, mais des fois, alors je sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus lent. Là, ça a pris quelques secondes, et des fois, ça peut prendre une quinzaine de secondes. Je vais faire Alexa, le même test avec C8. Mais C8. Je mets C8 sur Molotov. Voilà, maintenant on va attendre et ça va être un petit peu long. Alors c'est pas dû à la chaîne, puisque si je demande maintenant de mettre France 2, je vais avoir exactement le même problème. Donc faut pas être pressé, en tout cas dans cette configuration là, faut pas avoir envie de zapper dans tous les sens. Alors là c'est pour le côté télévision, évidemment on peut demander de regarder une série depuis l'Echo Show 5, voilà, donc là ça marche enfin pour C8, donc c'était très long. Et donc on peut également lui demander de mettre une série directement sur le Fire TV Stick. Alexa, mets Seinfeld sur Fire TV. Seinfeld est disponible sur Fire TV. Après, j'ai plus qu'à sélectionner la série et c'est parti. Et je peux évidemment faire ça depuis l'Echo Show 5 pour regarder une série, même si c'est pas forcément très pratique. Autre question qui revient régulièrement, Bing Sport, RMC Sport, tout ça, c'est pas compatible ni sur Fire TV, ni sur Echo Show. Alexa, cherche l'île aux enfants sur YouTube. Alors même si toutes les télés ne sont pas disponibles sur l'Echo Show 5, au moins c'est une question qui revient souvent, est-ce que YouTube est compatible? Oui, il n'y a pas de problème, on peut regarder des vidéos sur YouTube. Et puis évitons les commentaires sur la modernité des vidéos, ça trahit peut-être le fait que j'ai un petit peu plus de 28 ans, mais alors juste un petit peu plus. Voilà ce qu'on peut faire actuellement avec un Echo Show, Echo Show 5, un Fire TV Stick d'Amazon. Donc au niveau télé, il n'y a pas énormément de trucs à faire, en tout cas pour les Echo Show. Alors espérons qu'un jour Molotov TV débarque sur Echo Show. Et puis après tout, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas, puisque avec son grand écran, l'Echo Show, alors pas sur celui-ci modèle 5 pouces, mais en tout cas le plus grand, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, puisque c'est tout à fait confortable. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt.